Jean 13, verset 34 à 35. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. C'est clair. Je n'avais pas besoin d'explication. Le Saint-Esprit même vient de nous parler. Dieu dit qu'il nous aime. Et à notre tour, nous aimons les uns les autres. Vous voyez, moi je suis content d'être chrétien. Je sais que je ne suis pas encore propre, je suis très loin. Mais Dieu m'a enlevé chez moi. Il m'a envoyé ici dans sa maison. Il dit toutes ces personnes là, ce sont mes frères. Vous voyez comment Dieu est bon. Toutes ces personnes là, ce sont mes frères. Ça veut dire que je vous dois de l'amour sincère. Si nous étions en ville, il y a des ministres qui sont là-bas. Toi, tu fais partie de cette église-là. Donc, de l'église, c'est le ministre-là. De l'église, c'est le ministre-là. Le ministre, il y a Wada. Automatiquement, le ministre devient ton frère. Ma ministre là, voilà moi. Par la grâce de Dieu. Même si tu dois le croiser, le temps que tu allais mettre, si tu ne le connaissais pas, avec maintenant qu'il est ton frère d'église là, ça sera différent. Mon frère, ma soeur. Dieu dit, il nous donne un commandement nouveau. Ayons de l'amour pour les frères. Aimons-nous les uns les autres. C'est tout ce qu'il nous demande. Parce que si Dieu même était méchant, personne n'a été en vie. Personne. Mais malgré tout ce que nous faisons, nous aimons. Mais la promesse de Dieu à la voyée. Il dit qu'il nous aime. Mais de marcher selon sa parole. Mais ce qu'il y a, il y a des gens qui sont venus. Il y a des gens qui sont venus. Il y a des gens qui sont venus. Alléluia. En bas, 1 Jean 2, verset 10 à 11. 1 Jean 2, verset 10 à 11. Et que nous aimons, et que Dieu est la lumière, c'est que toi-même tu es la lumière. Ça veut dire qu'il ne sert à rien de haïr ton frère. Si tu te dis en face de Dieu, si tu n'aimes pas ton frère, il dit qu'il est dans les ténèbres, qu'il est dans le noir, qu'il est avec le diable. La voix a gagné là. On est dans Dayou Nawa, dans Dayou Nawa, dans la Nina de Pawa, on est dans la Godayoua. Mais il y a eu quoi? Mon frère, ma soeur, après toutes les années que nous avons passées ici,
Est-ce qu'on va encore dans les ténèbres? Dans le noir? Notre Père Dieu, il a tout promis pour nous pour que nous allons bien. On est là, on va là, il voit tout. Moi, je l'ai assassiné. D'Azab soit mon problème. Nous sommes tous les membres d'un même corps qui est Christ. Allez. C'est pourquoi nous sommes tous unis. Mais ici, nous sommes dans le livre de veille. C'est-à-dire que tous ceux qui sont ici, nous sommes tous un. Nous sommes tous frères et sœurs. Ah là, vous avez un réveil, vous m'avez. Mais il y a tous à vous. C'est parce que on aime Dieu. Nous aimons la cause de Jésus. C'est pourquoi nous sommes là. Allez, Jésus, moi, il y a un réveil à vous. Voyez ce matin ce que Dieu a fait. On a eu près de 20 000 francs. Mais si nous ne nous aimions pas, si on n'aimait pas Dieu, est-ce qu'on pouvait le faire? Ça a dépassé. Ah, et après, il y a un peu la voix au moment. Maman, il y a ça qui a été fait. Mon frère, ma soeur. Aimons-nous. C'est Dieu, lui qui nous protège, c'est celui-là même qui nous protège. La Tu peux pas aller ton frère et puis tu vas prier Dieu pour qu'il te bénisse. Comment tu veux vivre? C'est bon, son épargne. Alléluia. Amen. On va prendre 1 Jean 3, verset 14. Tout ça, ça passe l'amour. 1 Jean 3, verset 14. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Amen. Alléluia. Nous sommes passés de la mort à la vie. Mais celui qui nous a fait passer de la mort à la vie, là, lui qui nous aime. Mais nous, à notre tour, ton frère à côté de toi, ta propre frère qui est à côté de toi, tu ne l'aimes pas. Non, c'est toi qui as pressé pour venir à l'église. On se casse. Mon frère, ma soeur, Dieu te voit.